J'entretiens avec vous un lien indestructible. Aujourd'hui, il est peut-être temps que je vous présente mon paradis, ma cabane. Vous l'apercevrez, perdue, au fin fond des grimpins, où passent les oiseaux migrateurs. Dans ma cabane, je vis des moments extraordinaires. C'est une chasse difficile. La palombière, c'est bien quand il y a les oiseaux. Quand il passe rien, il y a toujours une bricole à faire. Toujours une merde à refistoler, une chose à reclouer. Enfin, il y a les moments où il faut s'engueuler. Souvent pour rien, c'est comme ça. Mais putain de putain que ça fait du bien. Il y a des moments où la tension est au plus haut niveau. Les oiseaux sont partout. Dans le bois, elles veulent les sols. 177, 185, 326, le petit Dédé me ferme pas les filets. C'est le moment parfait pour se remettre une giroflée, tu vois. Bref, dans cette cabane, il y a aussi des moments où il n'y a plus beaucoup de sons et encore moins les images. Car après le repas, moi, je m'endors sur le journal. Le petit Dédé, lui, s'effondre dans un reflement, faut voir le truc. Mais comme un vieux cerf devant une biche. Puis il y a des moments où nous avons ce luxe, celui de pouvoir écouter le silence. Ce silence si profond, si intense que nous offre la chasse. C'est putain de privilège, et drôle. Il n'est pas pour tous. Le silence qui cesse quand les palombes survolent le bois. Vous l'entendez? Comme disait mon copain Patrick, nos cabanes sont faites pour nous cacher. Ce sont des refuges de toute une vie. Nos cabanes sont bourrées d'inventions et de brevets anonymes et sans avenir. Nos cabanes sont là, mémoire, où chaque planche pourrait se souvenir. Elles sont faites de bricoles chez certains et de travail d'orfèvre chez les autres. Ce sont nos jardins secrets, où l'amitié y est partagée. Mais c'est incroyable ce que la chasse offre à celles et ceux qui veulent bien l'entendre. Ne déplaise à nos détracteurs, à tous ces attitous, nous les chasseurs. Au moins, on a une cabane. À du chasse, c'est bon.